Bonjour, une partie amicale, mon contre-opposant qui visiblement n'est pas très expérimenté, mais bon, pourquoi pas. Une première main qui n'est pas terrible, mais qui dont au moins dont la line est claire. J'ai pas envie de perdre à cause des De Gaulle. J'essaye. Le but là aussi, c'est de recruter un peu des joueurs pour ITSL, le tournoi auquel je participe, parce qu'ils cherchent des joueurs. Il y a pas mal de désistements, hélas. Donc peut-être que je le ferai, peut-être que j'en parlerai, mais seulement si c'est quelqu'un de poli qui répond et qui a un minimum de conversation. Sinon, non. Ce ne sera pas le cas. Pouf. Oh là là. Quelle tristesse de. Quelle tristesse de faire des vecteurs sur blockade. Un petit 6 pour commencer. Du coup, je vais pouvoir jouer De Gaulle. Il a sûrement une meilleure main que moi, déjà parce que ben, il avait une 4 op et moi j'en ai pas. Mais en plus de ça, ma main est pas ouf et en early war. Oh putain déjà. On a une bonne visibilité sur ça. Bien meilleure main que moi. Mais ce qui est bien par contre, c'est que j'ai des cols. Donc, des cols ne reviendra pas avant le tour 3. Ça, tu peux en être certain, mon coco. Mais ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à rien du tout, ouais. Et ok, si t'as la domination, tu la prends, mais en même temps. Si t'as la domination, je te la laisse. Au bout d'un moment, je peux pas non plus lutter contre 15 000 cartes. Et Vietnam Revolt était une bien meilleure headline que l'autre. Que Blockade. Blockade en headline, c'est plutôt mauvais. À moins que j'ai une main désastreuse.
contre, j'ai pas de chance. Il en a pas mal. Putain, mais sérieusement, mais il est complètement bugué ce truc, hein. C'est pas possible. Hein. Pourquoi il l'a pas mis plus tôt? Bon, faut pas chercher de logique, il joue n'importe comment, mais par contre il a eu de la chance au jet de dés. Donc finalement ça lui réussit pas tant, ça lui réussit un peu. Pas facile comme début, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh putain, sérieusement, CS Crisis. Putain, il a toutes les cartes qu'il faut ou quoi? Putain, et puis il va encore avoir plein de cartes à 4 lui. Forcément. J'aurais peut-être dû mettre Warso parce qu'il y a une chance sur deux qu'il ait Naito. Ouais, j'aurais dû mettre Warso. J'aurais dû mettre Warsovie. Je l'ai dit, il vaut mieux avoir de la malchance dans un match amical comme ça. Ma main est dégueulasse. Sérieusement. PC socialiste, je vais jouer au Arso. Je manque de la containment, hein. Allez, le classique.
Ouais, putain, mais qu'est-ce qu'elle est injouable cette main, c'est chaud. Un espace, 4 dopes, un dope. Et en plus. En fait? Ah oui, d'accord. Et ensuite, en plus, je suis pas attentif, moi. Oh là là, je joue mal. Moi, j'ai ça. On va aller là. Faire plus attention, mais bon, en même temps, dans tous les cas, c'était chaud de. Essayer de le lutter. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a? Putain, il a Red Scare, sérieusement, il a Red Scare. Oh, je suis un peu blasé là. Il a Red Scare, il a capturé Nazi, il a Romanian, US Japan, il a US Japan, putain. Marshall, ça a été joué. Dagenkover, ça a été joué. Geneito, il a Norad, bien sûr. Special, Formosan, Containment, ça a été joué. Il a East Open and Rest. GUN, il me semble qu'Arabie Israélie a été joué. Génial, en plus il n'y a aucune carte qui est vraiment jouable. Laisse tomber. Ah putain, il y a des parties comme ça. Je me demande pourquoi je les joue. Hein. C'est quoi ce différentiel d'opération? Genre jouer à China Card à tous les coups. Moi je vais pouvoir aller en Angola. Des parties bien dégueulasses quand même, mais ça en fait partie. Il y a une main de porc. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, j'adore jouer à China Card, génial.
Bon, j'espère que j'aurai une meilleure mise dehors parce que c'est vraiment de la merde là. Qu'est-ce que je peux faire? Même si je vais pas attendre avant d'aller en Afrique. Hein. Sérieusement, quoi. Il reste NORAD, Capture Nation Scientist, Romanian Abdication. Putain, il aurait fallu que je repioche bloqué sous Red Scare. Chose qui est claire, c'est qu'il joue pas très bien. Mais étant donné que j'ai des mains de merde, que lui il a de la chance. Oui, en fait, il est déjà. Oula, qu'est-ce qu'ils me font là? Qu'est-ce qu'ils me font? Place influence. Voilà. Bon, est-ce que je peux avoir un peu de chance là? Pourquoi pas? Enfin, deux scoring, c'est quand même beaucoup, hein. On a joué comme carte qui a été discardée le dernier tour. Ah putain, mais sérieusement, ça a dit, je vais pouvoir lui faire un coup d'état là. Bon allez, j'arrête de suivre les cartes, je vais plutôt me concentrer sur la partie. Ce serait bien qu'il loupe là, et ça serait plutôt mérité surtout. Éclair, c'est génial. Putain, mais j'ai 3 scoring en fait, j'avais même pas fait attention. 3 putains de scoring. Ça fait beaucoup quand même, 3 putains de scoring. Injouable. Allez, vas-y, reprends-le.
pense que je vais avoir du mal à faire mieux. J'ai pas envie de prendre le risque. Des mains, mais injouable, il n'y a pas d'autre mot. Et il faut que je me dépêche de scorer aussi, de faire un small step. Small steps entre l'America scoring. Parce que j'ai pas envie de finir sur un scoring. Quoi, tu essaies de me réaligner? Oh, mais sérieusement, mais c'est quoi cette main? Mais c'est quoi cette putain de main? Waouh! Eh, mais c'est chaud à ce point-là, enfin, il y a un niveau de main qui est quand même. Ouh! Putain, mais il n'y a rien qui est jouable, quoi. Ah bah oui, bien sûr, Runta. J'ai dû me attraper, enfin, je vois pas d'autre solution. Là, c'est chaud l'Asie. Hein. Oh, mais putain, sérieusement. Bon, je l'ai dit, c'est pas si grave que ça. Super.
plus j'ai rien, quoique non, ça c'est bon. Et je vais lui faire un salt à la toute fin. Ouais, super. Scénario mais de merde. Donc, je space socialiste. Je joue Alien D parce que j'en ai rien à foutre. Et je joue Salt pour l'événement et pour prendre Red Scare et lui mettre bien cher. Alien D aux Philippines. J'ai eu aucune de mes bonnes cartes quasiment. J'ai eu Usuri, c'est tout. Panama, mouais. Voice of America, c'est lui qui l'a eu, bien sûr. Grand Sales, je l'ai pas encore vu. Bon, par contre, la Pologne, là, il est peut-être un peu oublié, j'ai l'impression. Je vais lui rappeler la Pologne. Il suffit que j'ai une bonne main et je peux lui mettre cher. La Muslim Révolution. Ouais, clairement. Enfin une main potable. Ah, et en plus celle qui commence. Brochoir en Amérique du Sud, ça va être important ça, la brochoir au Venezuela. Il va falloir que je me grouille de jouer Nasser aussi. Parfait, ok. Est-ce qu'il a pas la guerre? À ce niveau-là, je dois prendre le risque. Aussi, de prendre la Pologne. La première bonne main que j'ai depuis le début de la partie. Et genre cette saloperie de Gunman, donc je vais rejouer Nixon à un moment. J'aimerais bien qu'il joue avant la carte pour s'en débarrasser. Bon, je pense que ça me coûtait 2 points. Relou. C'est un opposant qui est pas très fort, il n'y a pas de doute là-dessus, il joue pas bien, mais. Ça veut. Putain, il a un record en tant qu'États-Unis, c'est désastreux. Mais ça veut pas dire que je vais gagner parce qu'elle est difficile cette partie. Vraiment difficile.
Brochard, c'est pour le Venezuela, a priori, même si l'Asie est encore à scorer, mais un Venezuela à 6, ça permet de faire gagner beaucoup de points. C'est parce qu'il lui prend si longtemps, enfin, pour la première fois depuis le début de la partie, il a pas une main... Il a une main avec des problèmes, visiblement. Honnêtement, c'est que justice, parce que... Il peut avoir Puppet, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre Puppet? L'Ariane ça a été joué, Arman in Tehran. J'ai une croulier de jouer Nasser, il a sûrement Muslim Révolution. Ça, l'Inde, j'en suis à 8. Oh, on va prendre notre moulin en patience. J'espère qu'il n'a pas la guerre, sinon je suis niqué s'il a la guerre. C'est moi qui commence à être en avantage. J'ai gardé Nixon jusqu'au bout, parce que je sens que il va me jouer. La culture le révolutionne. Non. Non, 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 là je suis pas d'accord. Enfin, si je suis d'accord, mais. Évite ce genre de move. Évite ce genre de move, mon gars. Pas très efficace. Faut quand même que je joue Nasser rapidement. Quand elle regarde à la toute fin, ça peut être pas mal aussi pour la Thaïlande. Ouais, ouais, elle arne. Ah ouais, elle arne, et comme ça, j'ai un Defcon à 5 et je commence, je lui mets. S'il modifie pas. S'il fait rien, ouais, elle arne, ça me permet d'avoir le Defcon à 5, c'est quand même pas mal. Ça va être l'heure de colonial regarde avant qu'il me joue à Angola. Un Portugal Empire Crumble. C'est vraiment un move très passif. Ouais, donc il faut que je joue Nasser, vu qu'il a sûrement sa date, ou que sa date va venir, il faut que je joue Nasser. Ouais, j'espère qu'il va pas jouer sa date maintenant. Il faut que je joue Nasser pour 1 à Mexico. J'ai quand même fait des petites erreurs, notamment au début sur l'Europe.
même temps t'avais une main assez faible, c'était dur de lutter, mais quand même. Il y a ce note aussi qui va arriver à un moment ou à un autre, ça va me débarrasser de quelques cartes ça. Ouais, les joueurs débutants, enfin les joueurs qui savent pas très bien jouer, hein, j'imagine qu'il est débutant, vu son rating, quand il y a tant qu'il y a des bonnes mains, ils savent à peu près gérer, pas toujours très bien, mais ça va, c'est facile, hein, quand on a des gros jets de dés, et des 4 et à foison, mais dès que ça commence à être un peu compliqué, là, il n'y a plus personne, je pense que c'est à ça qu'on reconnaît les bons joueurs, c'est qu'ils savent gérer les situations difficiles et faire le dos rond. C'est aussi ça que je dois améliorer dans mon jeu. Pues Ernesto, qué haces? S'il a la guerre, s'il avait la guerre, je pense qu'il aurait déjà joué la guerre indo-pakistanaise. Il me fera des cartes de fin. Cogner la regarde, ça se discute en fait, est-ce que c'est à la fin ou pas? Ça peut le reprendre sur la Thaïlande, donc c'est pas mal. Ça peut lui foutre la pression sur la Thaïlande, mais j'aimerais bien un peu peupler l'Afrique avant. J'ai pas envie de, j'ai pas envie qu'il me break l'Angola. Enfin, j'ai l'impression qu'il a une main compliquée et qu'il peut pas, mais quand même. Protéger l'Allemagne avec 1, ça se fait, hein, mais 2. Pas convaincu. Il va finir par perdre autant hein, qu'avec ce tour-ci, c'est monstrueux. Ok, il me fait un abandon ou quoi là? 151 matchs, c'est ça, et un forfait. Le forfait en question, c'est face à un joueur qui était très insultant. Bon, moi je me demande si il n'essaye pas de faire ça autant. Oh, ça me saoule, putain.
Putain, mais quelle chance! Ah. Putain, sérieusement. Bon, sinon ça a repris. Il avait bien la guerre, il l'a bien réussi. En même temps, j'aurais peut-être divisé la Thaïlande. Hein. Bon, faut que je joue Nasser là. Faut que je joue Nasser, j'aurais déjà dû le jouer d'ailleurs. Comme ça, il sera plus dans la nature. Il a pas une main de merde. Hein. Il a l'Asie et l'Indo-Pakistanie. Non, en fait, il a une main correcte. Pff. Sérieusement, si je perds cette partie. Pff. Ah, je déteste ce move. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas me voler la China card? Alors, c'est moi qui ai mis Sim. Ok. C'est pas ouf ma main. C'est pas ouf du tout. Putain, mais c'est quoi cette main de merde? Une fois de plus, j'ai une main de dégueulasse. Mais il n'y a pas d'autre mot, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire Muslim, super, mais. Je sens que j'avais un 3 là-dedans, ça me fait perdre 1. J'imagine que je vais faire Muslim.
Ouais, une main dégueulasse de plus. Par contre, je peux égaliser l'Asie. Un peu ce que j'espérais, honnêtement. Libération, je dois le jouer, je crois. Quoique, pas forcément, il va me rester deux cartes en main. Culture, je vais le jouer très clairement. Mec, je sais que tu l'as. Slim, ça va être dans l'espace plutôt. Culture, là je prends un risque en plus, hein. Mais bon, en même temps, qui ne t'entraîne à rien. Sérieusement, putain. Ah, mais putain! Ah là là, je peux pas lancer un dé pour me sauver. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je vais garder ces deux cartes de merde. Faut que je lui prenne l'Angola aussi. Un peu. Il réussit en plus, mais ah, quelle moule! Il m'énerve. Sérieusement, je suis en wargame territory, c'est vraiment pas bon quoi. Le board est plutôt à mon avantage, hein, mais quand même. Quand il peut facilement perdre temps. Et Wargame faudra qu'il mette plus de points. Putain, mais ça va être décisif maintenant le space à 3.
Bon, j'ai deux cartes pour récupérer la China Card. Ça sert à rien. Ah, ça ne sert à rien, mon cher. Allez, un peu de chance. Bon, c'est moi qui ai Wargame, ça c'est très bien. Et c'est moi qui ai Nixon. Pareil, c'est une bonne headline pour commencer. C'est dommage que j'ai pas la Corée. On va lui laisser un petit choix. Je pense que je vais jouer à niveau Empire pour pas perdre de points de victoire. Ouais, j'ai dehors le jouer. Bon, j'ai 3 cartes à 4, c'est pas mal. Chier, bordel, il a Aldric. Il va m'enlever Wargames, pareil. Putain, il a pas eu une seule mauvaise main, quoi. J'ai eu beaucoup plus de scoring que lui, j'ai l'impression. Non, même pas, mais bon, j'ai eu beaucoup moins d'up que lui. Et ouais, il a pas eu une, toutes ses bonnes cartes US. Il s'est débarrassé de Grand Cell, ses docks ce tour-ci. J'ai quelque chose à casser. Quelle main de merde.
Sérieusement? N'empêche que j'ai toujours... Ça a toujours joué d'école et libération de théologie, donc dans les faits c'est toujours de la merde. Libération de théologie, ça s'auto-répare. J'ai pas d'opération donc je dois faire, faudrait que je fasse un coup au Guatemala. Je vais devoir protéger, tac tac tac, tac. Très bien. J'y croyais pas vraiment. En Inde. Ouais, c'est un petit ping d'un débutant de... Il a quelques tours, il a un tour, enfin une... plus sa main est plutôt bonne. Il a un moment où c'est malchanceux et voilà. Ça a rien de le dire. Il considère qu'elle était volée ou que sais-je. C'est pas du tout le cas. Il a plutôt eu. Oh putain. Il a plutôt eu des bonnes situations, mais s'il a envie de considérer que c'est horrible, c'est injuste, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je peux lui donner? Je vais
me fait chier, mais je vais donner Pershing. S'il veut s'amuser en Allemagne, qu'il le fasse. Il a Europe. S'il a Europe, il a Europe. Hein. C'est pas la mort. Moi je peux. Non, je peux pas. Bon, je vais me filer au Paraguay. Là, je suis obligé de jouer Missile Envy. Si tu veux. En effet, il a une chance sur deux. Je vois pas trop l'intérêt, mais d'autant plus que moi je vais pouvoir réparer le Canada, l'Algérie. Moi, rien, moi, plus 1, je m'en fous un peu. Faut que je me débarrasse du scoring, moi. Je t'ai dit Latin American d'Escrave 6, en fait, je m'en fous. Le Chili à 5, le Brésil à 16. C'est injouable. Et un Brésil à 32, je m'en fous complètement. Je vais le raligner. Bon alors, middle-liste, Yusuri. Je me le stage, j'ai bien avec mon opération militaire, ouais je le sais. Bon, c'est pas la meilleure vidéo que j'ai faite, hein. Ok, il a rien. Hmm.
Une. C'est vrai que j'ai été plus chanceux sur la fin, mais... Alors, est-ce que je vais avoir le temps? Assurant. Renouvellement. Coup d'état, alignement. Mettre 3. J'ai pas du tout le temps, je le crains. Réussi un coup d'état, il me la prend. De toute façon, il a quasiment perdu autant. En même temps, c'est quand même 8 points. Combien il me reste de cartes à jouer? 4. Avec une grosse. Aligné. Oh, c'est pas ouf ce que je fais. Je vais faire ça, puis le réaligner.
Bon, on sait pas où fallait, on va le faire. Il arrive un peu tard ce putain de scoring. Bon, de toute façon, je vais gagner autant sinon. Certes, il a fini à temps, mais je pense que je pense qu'il a moins bien joué parce qu'il a fini comme ça, mais bon. Tous les cas, il jouait pas très bien. C'est un peu la loterie des matchs Playdeck, donc c'est pas quelqu'un à qui je proposerais de rejoindre le tournoi parce que je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Et bon bah voilà, je suis pas sûr que ce soit la partie que j'ai le mieux joué. C'est pas un match extraordinaire, mais je vais quand même le mettre sur la chaîne, je pense. Et je vous dis au prochain match, qui sera normalement un match ITSL contre un joueur néerlandais, Alexander Valten, où je jouerai les soviétiques, si je ne me trompe. À bientôt.